situation à venir, Harold, tout le monde fait valoir que les besoins sont criants et que les enfants et leurs familles risquent d'en souffrir. Oui, mais quand on parle de besoins criants, Pierre, augmentation des signalements depuis 2010 de 17% au Québec, 3% en un an, donc 83 000 signalements. On dit que c'est 227 par jour. Beaucoup de cas de négligence, 36% des abus physiques, des abus sexuels. Écoutez, ça finit pas et ça augmente tout le temps. Alors, pendant ce temps-là, on apprend qu'il y aura des compressions à la DPJ autant qu'il y en aura dans le système de santé au complet. Selon la CSM, on a chiffré ça à environ 20 millions de dollars. Et la CSM a tenu un point de presse cet après-midi. Et j'ai rencontré les directeurs de la protection de la jeunesse qui sont inquiets. Écoutez, à Montréal, depuis 4 ans, il y a eu 12 millions d'amputés sur environ 250 millions. Vous allez entendre la directrice de la protection de la jeunesse de Montréal, suivie de la ministre qui est responsable de la protection de la jeunesse, Lucie Charlebois. Avec les coupures qu'on a dû absorber à travers les années, il n'existe plus de marge de manœuvre. Et c'est là où on est préoccupé de la suite, parce qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix que de couper dans les programmes d'aide aux enfants et aux familles. Il n'est pas question de couper des services. Quand on parle de faire mieux avec toute la gestion, c'est dans l'administration. Je n'ai pas le montant en tête cet après-midi, je voudrais bien vous répondre, mais il faudrait que je ressorte le cahier des budgets. Et Pierre, quand on parle d'enfants et d'adolescents vulnérables, ce jeune homme-là, qui avait 15 ans, Guillaume Bonnier, est mort en mars dernier, qui s'est suicidé au centre Huberdeau, dans les Laurentides. On vous en avait parlé, mais la TVA vient d'apprendre qu'il y a eu un autre suicide dans le même centre qui est survenu le 14 août. C'est Mathias Boivin. J'ai eu l'occasion de parler à ses parents. Le centre jeunesse ne veut pas nous parler, et quand on dit qu'on a besoin de ressources et d'argent, entre autres pour aider les éducateurs, ils semblent qu'ils sont mal formés. Je vais vous en parler à 18h. Deux exemples.